Hey, bonjour, un petit tour. Allez. C'est alors ça s'est fait avec un jeu de cartes. Enfin, ça va se faire avec un jeu de cartes, mais avant de commencer, on va essayer de travailler avec un petit élastique, l'objet de tout le monde. Et il faut savoir que ces élastiques, en fait, nous aident à travailler nous en magie. C'est comme des assistants. Par exemple, on va essayer une petite expérience. Si je mets l'élastique comme ça autour du doigt, juste ici, que je ferme la main, la seule façon de sortir l'élastique, c'est ou soit de passer par-dessus, ou alors de couper l'élastique. Par contre, si on attend un petit peu, regardez bien, 1, 2, 3, et qu'on tire comme ça. Ça traverse. Ça va vite, hein? Déjà. Je vais vous le refaire, mais plus visuellement. Par exemple, autour du pouce. Si je fais comme ça, deux tours, plus on tire, tiens même, tire sur l'élastique, est-ce que tu peux tirer? Mais Ça c'est bon. traverse pas. Non. D'accord? Et ce qui est fou, c'est que c'est assez étonnant, c'est que si je tends comme ça l'élastique et que tu tiens le pouce, regarde, 1, 2, 3, et que je fais juste ça, regarde, 1, ça traverse. Et ce qui est fou, c'est que l'élastique, je n'ai pas coupé. Je vais te le refaire, mais au ralenti, regarde. Tiens-moi le pouce. Plus tu tires, plus ça tient. Par contre, si tu veux le voir traverser, rate bien. 1, 2, et... Ça passe. Ça va vite, hein? Il y avait les cartes, tu sais. Ah ben oui, donc justement, j'en viens à ça. Puisque l'élastique est un élastique magique, ben pourquoi pas essayer de faire un tour de magie avec les cartes. Un jeu de cartes, 52 cartes, on va le mélanger. Très important. Ok. Et tiens, Thierry, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle. Je te laisse faire. Voilà, laquelle? Voilà. Celle-ci. Allez, et tiens, de toute façon, si je la vois même, c'est pas grave. Est-ce que tu peux la signer? Très important. Voilà, super. On attend que ça sèche. Garde-la quand je serai célèbre. Six de carreau, signé. Ah, c'est pas sec, mais c'est pas grave. On va attendre un petit peu. C'est bon? Et cette carte, on va la perdre quelque part dans le milieu du jeu. Et tout ça, mélangé. Ok? Hop. Et il n'y a pas de raison que j'arrive pas à retrouver ta carte puisque j'ai un élastique magique. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va entourer comme ça tout le jeu. Hop, avec l'élastique. Juste ici. C'est un petit peu faible, on va faire deux tours. Voilà. Et comme c'est un élastique magique, en fait, si on passe la main comme ça, juste sur le jeu, en fait, l'élastique peut disparaître. En fait, il disparaît pas. Il est allé à la recherche de ta carte quelque part dans le milieu du jeu. Mais on ne sait pas où. On va juste aller essayer de rechercher ton élastique. Et si on étale comme ça, on voit juste ici une carte, mais une seule et unique carte entourée par l'élastique. Et ça serait formidable que ce soit ta carte. Bizarre. Yes. Mais on peut faire plus fort que ça.